Député. Et là, je vois que le député dit pas de deuxième tour. Moi, je pense qu'il y a un manque d'humilité et à la limite de l'arrogance. Moi, j'ai parlé des problèmes de santé. Je vois l'occasion de les développer. Vous en êtes tous conscients. Il faut apporter beaucoup à travers le vieillissement, équipé et tout. Là, on ne va pas revenir dessus. Mais je voulais revenir sur ce bilan qu'on n'a pas fait. Ce bilan, je ne peux pas accepter que M. Nilor dit qu'il sera élu au deuxième tour, alors que j'ai regardé, au premier tour. Ah, merci. Presque la totalité des amendements présentés, irrecevables selon l'article 40. Savez-vous présenter quelque chose qui ne peut pas même entrer dans la porte? Des amendements rejetés, et si c'est rejeté, c'est du travail insuffisant. Des amendements non soutenus. On présente des amendements, on n'est pas présent. Alors, présence réellement insuffisante dans les commissions. Il faut conclure, monsieur. Présence insuffisante dans les commissions, ce qui le classe 552 sur 577 pour les 5 ans de la mandature. C'est terminé, monsieur Dinal. Okay. Donc, pour vous dire que je ne peux pas accepter ça quand on dit que je vous êtes un menteur et les Martiniquais savent et ils voteront en conséquence. Ils savent. Alors, monsieur Jean-